Avec la 807, Automobile Peugeot propose un nouveau véhicule dont un des points forts est son habitacle à l'esthétique particulièrement innovante. L'architecture de la planche de bord est également nouvelle. Une traverse de grand diamètre sert de support à la colonne de direction et reçoit une jambe de force fixée sur le tunnel central. Sur cette traverse viennent se fixer un élément supérieur de planche de bord, la console centrale, un élément inférieur côté conducteur et un élément inférieur côté passager. Dans ce film, nous verrons comment effectuer des déposes partielles, telles que le volant et le COM 2000, l'afficheur multifonction et le combiné, les éléments inférieurs de planche, la console centrale le bandeau et la planche de bord supérieure. Avant toute intervention, reculez les sièges au maximum. Attention, pour débrancher la batterie, coupez le contact, ouvrir la porte avant droite et attendre 2 minutes avant de débrancher pour permettre la mise en veille du BSI. Avant d'intervenir, placez des protections sur les sièges. En fin de repose, vérifiez le bon aspect général de l'habitacle. Rebranchez la batterie. Et effectuez un test de fonctionnement des différents équipements. Procédez à l'initialisation des systèmes le nécessitant, par exemple, les lève-vitres électriques. À l'aide du DIAC 2000, effectuez un test global et selon l'intervention pratiquée, procédez au calibrage du capteur d'angle volant. Avant toute intervention sur les airbags, attendre 10 minutes après avoir débranché la batterie. Pour déposer la demi-gaine inférieure de colonne de direction, enlever la clé de contact, mettre la colonne en position basse et sortie. Extraire les 3 fixations de la demi-gaine inférieure. Désolidariser les 2 demi-gaines.
Le coussin gonflable conducteur est fixé sur le volant par deux crochets, venant se prendre derrière deux pattes métalliques. À l'aide d'un tournevis plat, amenez le crochet vers l'extérieur pour le dégager. De la même manière, dégagez le deuxième crochet. Déclipez les deux connecteurs et la cosse de masse. Stockez le coussin gonflable avec le logo dirigé vers le haut. Déclipez le connecteur d'avertisseur et déconnectez. Desserrez de deux tours la vis de volant. Mettre les roues du véhicule en position ligne droite. Décoller le volant du cône de la colonne de direction. Déposer la vis de volant. Retirez la clé du contacteur et verrouillez la direction. Déposez le volant en guidant les faisceaux par la lumière. Pour déposer le COM 2000, déposez la demi-gaine supérieure. Déconnectez le bloc de contrôle. Et dégrafer le faisceau. Sur le COM 2000, déposez les deux connecteurs d'airbag. Et les connecteurs multiplex. Desserrez la vis du collier de fixation. Dégagez les deux pattes plastiques des ergots sur la colonne de direction. Déposez le COM 2000. L'ensemble COM 2000 intègre le capteur d'angle volant et assure, grâce à un câble en nappe enroulé en spire, la transmission des commandes de mise à feu du coussin gonflable et de l'avertisseur. Afin de conserver la position mi-course du COM 2000, vérifiez son verrouillage et l'immobilisez à l'aide d'un adhésif. À la repose du COM 2000, vérifiez l'alignement des trois repères. Le repère central permet de vérifier la position mi-course, cet index étant relié à un ergot, se déplaçant le long d'une spirale. À la repose du volant, alignez les repères sur colonne et sur volant. Continuez la repose.
déclipper la tablette centrale. En présence d'un afficheur multifonction, le déconnecter. Déposer le combiné, extraire les deux fixations inférieures. Attention, le positionnement du combiné en partie supérieure est assuré par 5 pattes horizontales. À remarquer également en partie arrière, les deux centreurs et les deux agrafes. Déclipper par le côté, la partie supérieure, et dégager le combiné à l'horizontale. Déconnecter le combiné et, selon équipement, l'afficheur. Déclipper, à l'aide d'une spatule, les enjoliveurs de chaque côté du volant. Sur la joue de planche de bord, déclipper l'obturateur et déposer la fixation. Dégager le joint d'entrée de porte et déclipper la garniture d'auvent. Extraire la fixation sur équerre. Extraire les 4 fixations. Dégager l'ensemble à l'horizontale pour ne pas endommager les centreurs. Selon équipement, correcteur de site ou commande de désactivation ESP, débrancher la connectique. Déclipper la prise diagnostique. Déposer l'ensemble. Avant toute intervention sur les airbags, attendre 10 minutes après avoir débranché la batterie. Sur la joue de planche de bord, déclipper l'obturateur. Déconnecter le contacteur d'inhibition d'airbag passager. Déposer la fixation. Dégager le joint d'entrée de porte et déclipper la garniture d'auvent. Extraire la fixation sur équerre. Ouvrir le vide-poche. Annoter, à droite, la trappe d'accès pour intervenir sur BSI. Déclipper et déconnecter l'éclaireur de vide-poche. Selon équipement, déclipper le connecteur audio-vidéo. Extraire les 3 fixations en partie supérieure. Déposer l'ensemble à l'horizontale pour ne pas endommager les pions de centrage.
Cette dépose permet, par exemple, un échange de BSI. Déposer la partie inférieure de planche côté conducteur et côté passager. Déclipper par le bas la coiffe de levier de vitesse. Déclipper la façade supérieure de console centrale. Déconnecter les commandes de climatisation et de télématique. Déclipper et débrancher le push signal danger. Extraire les deux fixations latérales. Puis les trois fixations supérieures. Et la fixation sur support de levier de vitesse. Débrancher le tuyau de réfrigération du logement boisson. Selon équipement, déconnecter la sonde de température habitacle. Déconnecter l'allume-cigare. Et l'éclaireur de cendrier. Dégagez la console. À la repose, bien rebrancher le tuyau de réfrigération du logement boisson. Vérifiez le positionnement des flasques latéraux. En partie avant, les flasques sont maintenues par un pion s'engageant dans un centreur. Vérifiez également leur assemblage avec l'habillage inférieur. Continuez la repose. Déposer la partie inférieure de planche côté conducteur et côté passager. Déclipper les aérateurs centraux. Déclipper la tablette centrale. Déclipper par l'extérieur les aérateurs latéraux. Côté passager, déposez la platine de connecteur et déconnectez l'airbag. Extraire les deux fixations d'airbag sur la traverse. Débrancher la masse de l'airbag. Déposer de chaque côté les deux fixations inférieures.
Déposez les fixations sous les aérateurs latéraux. Déclipez la coiffe de levier de vitesse, puis la façade supérieure de la console centrale. Extraire les quatre vis en partie centrale. Soulevez le bandeau au niveau de l'airbag et le déposer. À la repose, reconnectez l'airbag et reposez la platine de connecteur. Rebranchez la masse de l'airbag. Pour déposer la partie supérieure de planche de bord, effectuez toutes les phases nécessaires pour déposer le bandeau. Déposez le conduit d'air central. Extraire l'autoradio. En guidant les faisceaux. Déconnectez l'autoradio. Déposez le combiné. Déclipez et déconnectez la sonde d'ensoleillement. Déposez le volant, la demi-gaine supérieure, le com 2000. Désaccouplez l'embase et le guide d'embase et les déposer. Pour déposer la garniture supérieure avant, déclipez les 6 agrafes. Selon équipement, extraire la LED de la garniture. Pour déposer les montants de baie, dégagez les joints d'entrée de porte. Déclipez les garnitures de montants de baie. Puis, dégagez les agrafes. Dégagez les garnitures vers l'arrière. Déclipez et débranchez les tweeters. Déposez la façade supérieure de console centrale. Extraire les quatre fixations en partie supérieure. Puis, les deux fixations latérales. Écartez la console centrale pour dégager les trois pions de centrage. Déposez les deux écrous en partie supérieure avant.
extraire les deux fixations latérales de planche. Puis, la fixation centrale. Selon équipement, désaccouplez la liaison fibre optique entre autoradio et afficheur. Soulevez la planche de bord et, tout en guidant les faisceaux, la dégagez par la porte passager. La traverse est maintenue des deux côtés par deux fixations sur les montants de baie. La partie avant du support de colonne de direction vient s'engager sur un pion sur le tablier. À remarquer également la jambe de force maintenue par quatre fixations et donc facilement déposable. Côté conducteur, une fixation maintient le pulseur sur la traverse et au centre, ce sont deux fixations qui maintiennent le groupe de chauffage climatisation. Enfin, le faisceau de planche est bridé tout le long sur la traverse. À la repose, bien guider les faisceaux traversant la planche de bord, notamment ceux du combiné et de la sonde d'ensoleillement. Et des tweeters. En fin de repose, vérifiez l'aspect général de l'habitacle.